Good morning, allez, Idan et Sutra aujourd'hui, l'Eloni Shmatra Esther Bat Miram, ainsi que l'Enfouat, Olivier Israël Shimon Ben Chayester, Khamchat Miram Bat Mozalena, Bin Ben Ben Chibiba, Esther Mela Bat Chaya Verda Tzipora, et Inon Chay Ben Jessica Betor Shal Chol Israël. Si vous savez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah contacté à la 5e minute éternelle, nous étudions Maseret Ourin Perek Yud, Mishnah Yud. Neger Sheyesh Berosho Gloustera, Abeliezer Oser, Abi Yossi Matir. Amar Ben Eliezer Maase Bekneset Shebet Veria, Shayonovin Bo Eter, Achebaraban Gamliel Vazkenim Veasulaen, Rabbi Yossi Omer, Isur Nahaguba, Baraban Gamliel Vazkenim Veetirulaen. Notre Mishnah Yud et la prochaine Mishnah vont toutes deux parler du Neger. Je n'ai pas trouvé la bonne traduction du mot Neger, est-ce que c'est un peine? C'est-à-dire pour fermer les portes. De l'époque, c'était fréquent dans les films de l'époque, quand on était petit, là, il y avait la petite maison dans la prairie, ils fermaient les deux portes, et ils prenaient ensuite une grosse barre qu'ils fixaient sur la porte, qui était bien plaquée contre le mur, et comme ça, de l'extérieur, on ne pouvait plus pousser les portes. D'accord? Et donc maintenant, le problème de mettre. Alors, la problématique de nos deux Mishnayot qu'on va voir, c'est quel type de barre on a le droit de mettre, et quelles sont les conditions requises plutôt pour les mettre. Parce que cet interdit-là, il est un petit peu assimilé à l'interdit de bonnet. Je crois que c'est que des rabanan, d'après tous les avis. Il n'y aura pas de deraita, il me semble. Mais le problème qu'on va voir, c'est que malgré tout, ça ressemble à bonnet. C'est-à-dire, tu prends, on a déjà évoqué plusieurs fois, que quand tu vas prendre quelque chose, tu vas le fixer au sol, tu es en train de construire. Alors là, c'est vrai que tu es en train de fixer quelque chose que tu vas retirer ensuite. Mais d'un autre côté, pour le moment, tu as pris quelque chose qui était détaché du sol, tu le fixes au sol. Peut-être qu'il y a un problème de bonnet. Donc du coup, la Mishnah et nos deux Mishnahot vont porter sur les définir dans quelle situation, quelles sont les conditions requises pour ne plus être assimilé à l'interdit de bonnet. En l'occurrence, le premier sujet, d'abord, je le fais un petit peu à l'oral, et puis après on va expliquer. On va découvrir une discussion, en fait. Lorsque cette grande barre, elle a à son extrémité une sorte de boule qui est plus épaisse, qui sert à piler quelque chose, tout ce qu'on peut piler. Et donc du coup, il s'avère que maintenant, cette barre, c'est plus une barre, c'est un ustensile. C'est-à-dire, de manière générale, lorsque tu vas prendre quelque chose qui n'est pas un ustensile et tu vas le fixer dans le mur, alors t'es en train de vraiment de construire. Mais lorsque tu vas prendre un ustensile, un objet, tu vas mettre une montre dans un trou. Tu vas boucher un trou avec une montre. Honnêtement, tu as construit ou tu as mis une maison, une montre dans un trou. Tu as mis une montre dans un trou, tu n'as pas construit. Quelque chose qui est par définition, on voit bien qu'il n'est pas fait pour rester là, parce que ce n'est pas sa fonction d'être ici, il a une autre fonction. Donc du coup, grâce à ça, peut-être tu vas t'exclure complètement d'interdit de bonnet. En l'occurrence, ça va être la vie de Rabbi aussi, qu'on va découvrir dans notre Mishnah, qu'il va nous dire, bah, tu sais quoi, puisque maintenant, cette barre sert de pilon concrètement, parce qu'elle a cette masse, cette boule à l'extrémité par laquelle tu peux écraser des choses. Donc du coup, lorsque tu vas la fixer dans le mur, tu n'as aucun rapport avec l'interdit de bonnet. À la différence de la prochaine Mishnah, où on parlera cette fois-ci d'une barre qui n'a plus donc de boule à l'extrémité. Là, on aura d'autres conditions qui sont requises plus sévères pour pouvoir permettre de mettre cette barre dans le mur, comme ce qu'on verra ensuite dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, on traduit la Mishnah. Neger Sheyesh Berosho Gloustera. Donc le verrou, je ne sais pas comment on l'appelle, la barre verrou, qui sert avec laquelle on ferme la porte, tu fixes donc, tu vas la fixer au mur, donc aux deux extrémités du mur, et il y a là-bas des crochets même pour la faire entrer, pour qu'elle bouge plus, plus elle va être bien fixée, moins on pourra ouvrir la porte, bien évidemment. Donc Neger, cette barre, chez Yesh Berosho Gloustera, qui a son extrémité, une Gloustera. Voilà, appartenant, il dit qu'il y a, chez Rocho, à VVA Gol, il a son extrémité, sa tête, qui est épaisse et ronde, et que avec ça tu peux t'en servir pour une bourna, pour piler des choses. Alors, Rabbi Eliezer Oser, Rabbi Eliezer te dit malgré tout c'est interdit. Il n'y a rien à faire, tu n'as pas le droit de la planter dans le mur en l'état. Il y aura des conditions pour permettre qu'on découvrira pas dans notre Mishnah en fait. Dans la prochaine Mishnah, on découvrira partiellement, mais ce sera le même principe, allez, je le dis tout de suite, c'est que cette barre, elle soit attachée avec une ficelle au mur. Et même un peu plus. On verra plus dans les détails exactement dans la prochaine Mishnah. Mais pour le moment, Rabbi Eliezer me dit, pour le moment, donc en état, tu n'as pas le droit de la ramasser du sol et de la poser, de la planter dans les trous, parce que là, tu es en train de construire, assimiler à l'interdit de Rabbanan de construire.
Et Rabbi aussi, Matthieu, Rabbi aussi nous dit, non, c'est permis, puisque c'est un ustensile, alors ce n'est plus apparenté à l'interdit de construire un Shabbat. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il va nous prouver maintenant qu'il a raison, grâce à une histoire. Maase Bekneset, chez Bet Veria. Il y avait une histoire avec une Knesset, je suppose que c'est une Bet Knesset, une synagogue, à Tveria, dans la ville de Tibériade. Chayou Noaginbo Eter, où là-bas, il se permettait de fermer comme ça les portes, avec une telle barre où il y avait à son extrémité une gloustera, cette boule. Et là-bas, dans cette histoire qu'il y avait eu à Tveria, Adcheba Rabban Gamliel Baskenim Basur la haine. Et Rabban Gamliel et Skenim, ils sont partis une fois, ils ont fait un petit séjour à Tveria, et quand ils ont vu ça, ils ont dit non, 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 vous arrêtez, c'est interdit. Donc tu vas bien que ça sourd. Rabbi Yossi lui rétorque et lui dit non, non, l'histoire s'est passée à l'envers. Rabbi Yossi Omer, non, c'est l'envers. Il sourne à Gouba. Il ne fermait pas le Shabbat avec cette barre. Bar Rabban Gamliel et Skenim, veitirulain, jusqu'à qu'il y a eu Rabban Gamliel et Skenim, et les sages, qui sont venus à cette ville et qui ont dit mais pourquoi vous ne fermez pas la porte la nuit? Fermez-la! Et mettez-la cette gloustara parce que c'est permis au contraire. Ok? La halakha est fixée comme Rabbi aussi, donc c'est permis de remettre cette barre pour le moment, puisqu'elle a son extrémité. Une boule qui prouve que c'est un ustensile. Donc, ce n'est plus apparenté à l'interdit de construire à Shabbat lorsque tu vas la planter dans la porte. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslacha, Kol Tuv, c'est là.